Radio J, philosophie, Blandine Criégel. Radio J. Dans la série Le philosophe et ses questions, l'émission philosophie de Blandine Criégel est consacrée aujourd'hui à les sciences humaines, les sciences politiques, avec pour invité Monsieur André Burguière, historien et anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, avec le docteur Marielle David, pédopsychiatre et psychanalyste, le doyen François Guéry, philosophe, l'historien Alexandre Adler, géopolitologue et le journaliste Alexis Lacroix, directeur de Actualité juive. Merci beaucoup, cher Benjamin, de cette présentation. Et donc, nous abordons maintenant un deuxième volet, n'est-ce pas, de notre enquête sur les sciences humaines, celui des sciences politiques. Alors, dans les sciences humaines, les sciences politiques, n'est-ce pas, dont l'antichambre, comme l'a judicieusement souligné Léo Strauss, dans Qu'est-ce que la philosophie politique, au fond, se trouve dans la philosophie politique elle-même, antique, Aristote et Platon, et plus tard chez les modernes. Mais elles ont conquis leur autonomie en se séparant, dit Léo Strauss, de la dimension morale de jugement de valeur qui existait, qui était fondamentale dans la philosophie politique classique. Alors, je dirais que pour un sociologue comme Max Weber, pourtant, ni l'homme d'action porté par une éthique de la responsabilité, comme il l'affirme, ni le savant, n'est-ce pas, ne sont absolument portés par une autre éthique, l'éthique de conviction et la recherche de la vérité, ne sont absolument coupés des valeurs. Mais pourtant, les sciences politiques se constituent comme savoir, n'est-ce pas, en discipline institutionnelle, séparée et unifiée, parallèlement d'ailleurs au XIXe siècle, aux États-Unis et en France. Et elles se séparent cette fois de l'économie, de la philosophie, du droit. Et au fond, elles font pourtant une place considérable à l'histoire et aux sciences sociales. Alors, un politologue, Philippe Brault, n'est-ce pas, a proposé une classification à peu près canonique de ce qu'on enseigne aujourd'hui dans les instituts d'études politiques. Il dit qu'on enseigne quatre choses. Premièrement, la théorie politique, le pouvoir, la nation, l'histoire, qui est liée à l'histoire et à la philosophie directement. La sociologie politique, c'est-à-dire qu'on étudie les acteurs de la vie politique, les institutions, les forces sociales. Troisième volet, la gouvernance et les politiques publiques, c'est-à-dire les processus de décision et les administrations, voire les élections. Et enfin, quatrièmement, les relations internationales avec la géopolitique. On le voit, si dans les deux premiers volets, eh bien, il y a un rapport immédiat avec la tradition philosophique, historique et juridique, au contraire, c'est-à-dire en fait avec la longue durée. Dans le second volet, les sciences politiques se tournent résolument vers la contemporanéité. Bref, toutes ces sciences humaines néanmoins, toutes ces sciences politiques relèvent néanmoins d'un effort de compréhension globale des phénomènes politiques, d'une certaine façon, d'une histoire totale, avec une place fondamentale qui est quand même laissée encore au droit, à l'économie et, disons-le, à la sociologie. Et c'est parce que, au fond, il y a cette perspective, n'est-ce pas, d'une compréhension globale que nous avons cru les introduire par un texte en tout point remarquable de Fernand Braudel, qui n'est décalé, au fond, de ce projet qu'en apparence, puisqu'il s'agit d'une histoire étalée. Alors, cher Alexis, nous vous écoutons et nous écoutons avec vous le texte de Fernand Braudel. Et extrait donc, cher Blandine, des écrits sur l'histoire aux éditions Flammarion. La rupture récente avec les formes traditionnelles de l'histoire du XIXe siècle n'a pas été une rupture totale avec le temps court. Elle a joué, on le sait, au bénéfice de l'histoire économique et sociale, au détriment de l'histoire politique. Un mode nouveau de récit historique apparaît, disons, le récitatif de la conjoncture, du cycle, voire de l'intercycle. C'est ainsi qu'Ernest Labrousse et ses élèves ont mis en chantier une vaste enquête d'histoire sociale sous le signe de la quantification en 1955. Au-delà des cycles et intercycles, il y a ce que les économistes appellent la tendance séculaire. Elles sont une première clé. La seconde, bien plus utile, est le mot de structure. Songez à la difficulté de briser certains cadres géographiques, certaines réalités biologiques, certaines limites de la productivité, voire telle ou telle contrainte spirituelle. L'exemple le plus accessible semble la contrainte géographique.
entre les temps différents de l'histoire, la longue durée se présente ainsi comme un personnage encombrant, compliqué. Pour moi, l'histoire est la somme de toutes les histoires possibles. Aussi bien, n'imaginons pas entre l'historien et l'observateur des sciences sociales les barrières et les différences d'hier. Toutes les sciences de l'homme, y compris l'histoire, sont contaminées les unes par les autres. Longue durée, conjoncture, événements s'emboîtent sans difficulté, car tous se mesurent à une même échelle. Pour l'histoire, tout commence, tout finit par le temps. Les sociologues, bien entendu, n'acceptent pas cette notion trop simple. Chaque réalité sociale secrète son temps ou ses échelles de temps comme de vulgaires coquilles. Qui gagnons-nous, historiens ? L'immense architecture de cette cité idéale reste immobile. Que l'on n'oublie pas la réduction nécessaire de toute réalité sociale à l'espace qu'elle occupe. Disons la géographie, l'écologie. Je souhaiterais que les sciences sociales, provisoirement, cessent de tant discuter leurs frontières réciproques, qu'elles tâchent plutôt de tracer, à travers nos recherches, les lignes que j'appelle personnellement mathématisation, réduction à l'espace, longue durée. Merci beaucoup. Au fond, quel texte. Ici, Fernand Braudel, vous voyez, relativise entièrement la mise à l'écart de l'histoire politique, car au fond, ce qui, selon lui, a fait long feu, c'est seulement la prééminence du temps court, n'est-ce pas ? Et c'est-à-dire une hiérarchie où l'on portait en majesté l'acteur individuel, et il préfère, comme vous nous l'avez expliqué très bien, cher André Burger, les courants collectifs des instances séculaires. Le temps long ou le collectif, que résume à ses yeux le concept de structure, qu'on peut appliquer également, nous dit-il, belle ouverture au structuralisme, à la géographie, à la biologie, à l'économie et aux réalités même spirituelles ou culturelles. Il existe, nous dit ici Fernand Braudel, un étagement des temporalités, des durées, et selon lui, l'histoire n'est rien d'autre que la somme de toutes ces réalités, chacune dans leur plan et à leur place. Et ici, il se sépare non, n'est-ce pas, du politique ou des sciences politiques, mais, et c'est quand même intéressant de le noter, moins de la sociologie que du sociologisme, n'est-ce pas ? Au fond, ce qu'il refuse, c'est que le social, au fond, soit tout, puisqu'il ne s'inscrit, selon Braudel, que dans la, au fond, moyenne durée, alors que pour l'historien, c'est toujours le temps long qui l'emporte, et par conséquent, évidemment, il y a cette mise en majesté de la géographie, et ajoutons, prémonitoire Braudel, de l'écologie. N'est-ce pas ? C'est un texte qui est ancien. De là, un dernier coup de griffe aux sciences sociales. Il s'adresse à elles en disant inutile de discuter les frontières réciproques, puisque tout est lié, n'est-ce pas ? Et particulièrement dans les sciences politiques, qui emprunte également à la philosophie, à la sociologie, au droit et même à la géographie. Pour Braudel, le noyau ultime est au fond la mathématisation, la réduction à l'espace, la longue durée. Alors, je me tourne vers vous, André, parce que ce texte, au fond, est étonnant, extraordinaire, au moment où il a été publié, retenu l'attention et le commentaire, n'est-ce pas, des philosophes qui ont enseigné notre génération, Louis Althusser d'abord et Michel Foucault. Et je le dis, c'est d'autant plus remarquable que les philosophes étaient très critiques vers une partie, n'est-ce pas, de l'histoire, de la nouvelle histoire, et en particulier, ils préféraient à l'histoire des systèmes des mentalités, ce que Foucault appelait l'histoire des systèmes de pensée, et une histoire, disons, des concepts, une histoire du discours, n'est-ce pas. Et ils s'opposaient au sociologisme explicite, n'est-ce pas, de certaines sciences sociales, parce que, à leurs yeux, eh bien, la politique et la culture avaient une spécificité qui ne se réduisait pas, n'est-ce pas, au social. Alors, d'ailleurs, je noterai que Braudel, ouvert au structuralisme, a aussi, au fond, lancé ou béni, n'est-ce pas, généreusement, le retour aux politiques accompli par les philosophes de notre génération. Et moi, je lui suis toujours reconnaissante, n'est-ce pas, de m'avoir appuyée, ce qui n'était pas le cas de la génération qui le suivait quand j'ai publié mon premier ouvrage. Et d'avoir vraiment ouvert la voie à ce retour aux politiques. Oui, Braudel a joué un rôle vraiment tout à fait décisif. Alors, les questions donc, vont porter sur, au fond, le retour aux politiques
et la place, n'est-ce pas, de la philosophie ou des sciences sociales dans les sciences politiques aujourd'hui. Alors, et évidemment, ça intéresse principalement la théorie politique, c'est-à-dire les discussions aujourd'hui les plus vives. J'espère que notre ami Alexis ne me contredira pas sur la République. Écoutez, avec attention, sachant que c'était un de vos choix. Ce mister, pour vous, c'est quoi? C'est un homme puissant? C'est Dieu? C'est qui ce mister à qui il parle? C'est intéressant parce que... Oui, c'est équivoque. On a l'impression que c'est une prière. Mais il y a cet aspect chez Ben Harper, un peu gospel. Totalement. Souvent, de la prière, de l'incantation. Quand j'étais ado, je voyais plus une sorte de mec de la city. Voilà, de financier, grand puissant. En plus, à l'adolescence, on aime bien être bercé par des grands schémas idéalisés. Bien sûr, les bons, les méchants, les pauvres, les riches. C'est facile. C'est plus manichéen et plus simple, oui. Mais c'est charmant à cet âge-là. En parlant de Dieu, vous le savez, nous sommes sur Radio J, une radio cultuelle. C'est quoi votre rapport aujourd'hui avec votre judaïté? C'est quoi? C'est un rapport très profond. Disons que... On va encore parler des épreuves, des obstacles. L'attentat de l'hypercacher de Vincennes. Oui. a joué comme un bouleversement profond en moi-même, parce que je suis un juif de Porte de Vincennes, quasiment. D'accord. Et il y a eu comme un tremblement intérieur qui m'a fait réaliser des choses très intimes sur mon hérédité, mon identité, ma culture, qui m'ont amené à affermir l'expression de cette part de mon identité. Vous avez été élevé dans une famille traditionnaliste? Traditionnaliste, mais assez, traditionnaliste et en libéral. Même temps... Pas libéral, traditionnaliste. Traditionnaliste, je sais pas comment dire. Les grandes et fêtes. En même temps ouverte, Open et... mind, voilà. Ouais. Oui, voilà, des grandes fêtes, les traditions, comme ça. Et vous avez voulu aller plus loin? Je dirais pas plus loin, parce qu'il y a autrement. Pas plus loin, mais autrement. En tout cas... Ce que j'ai réalisé ce jour-là, c'est que sans doute, le jour de l'attentat de l'hypercacher, c'est que sans doute jusqu'ici dans ma vie, j'avais mis en sourdine une part de moi-même par politesse. Et c'est très dangereux de faire ça. Parce qu'à la fin... Pour être plus aimable aux yeux des autres? Ouais, c'est comme si les injonctions sourdes dans ce pays conduisaient par délicatesse à... Une forme d'assimilation? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. À une forme de mise en veille d'une part de soi-même. Là, on parle du fait d'être juif, oui. Du judaïsme, mais j'imagine que ça peut arriver pour plein de parts identitaires. Ce terme extraordinaire, l'histoire raisonnée. C'est-à-dire qu'il disait... Parfois, il peut être... C'est pour être plus aimable aussi en même temps, pour entrer plus dans une forme de normalité, enfin, ce qu'on croit être une normalité aux yeux des autres, non? Je sais pas trop. En tout cas, j'ai listé ce jour-là tous les environnements que j'avais traversés dans ma vie, parce que voilà, on l'a dit, j'étais dans une école expérimentale du 20e arrondissement, ensuite une zone d'éducation prioritaire au collège, un lycée républicain d'élite, une prépa HEC. Je me suis dit, c'est fou, j'ai traversé tous ces mondes, et à chaque fois, pour des raisons différentes, j'ai senti, peut-être à tort, mais j'ai senti que c'était mieux si ça restait en veille, en sourdine. Puis voilà, avec l'âge, on s'affirme, on dit, on vit. Les autres, quand ils sont chez eux, ne pensent pas à vous. Et à la fin, on meurt seul. Ça a l'air sordide, dit comme ça, triste. Oui. Mais non, d'avancer en sachant qu'à la fin, on meurt seul, ça permet de vivre une vie plus affirmée dans son être profond. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, depuis, ce que je veux dire, c'est que je pense si le Arthur Teboul de... Si on avait dit à Arthur Teboul de 25 ans, regarde comment tu seras à 33, il n'aurait pas cru pouvoir, il n'aurait pas cru devenir, un être, enfin je parle de moi à troisième personne, c'est pas super, mais en tout cas de se sentir aussi libre, voilà. Je me sens libre d'être qui je veux. Cependant, je sens encore qu'il vaut mieux, pour des raisons multiples et complexes, rester discret, ce qui est triste,
sur certaines parts de son identité dans ce pays. Alors, est-ce que rester discret, il y a plusieurs raisons possibles. Parfois, si je répondais de manière évasive et plus tranquille, je dirais parce que c'est mon intimité, on n'est pas obligé de... Oui, c'est ma vie privée, ça fait partie de... Ça fait partie de l'intime qui ne regarde que soi. Et après, je pense que quelles que soient les cultures, vient un âge, notamment autour de la trentaine, on commence à se poser des questions de parenté. Ça fait remonter comme voilà, d'âge. Voilà. De l'âge, de devenir parent, se poser les questions de d'où on vient, où on va. Peut-être que plus jeune, on ne se les pose pas, on se sent éternel. Alors, c'est aussi une question d'âge, quelle que soit la culture, j'imagine. Peut-être auvergnat, se dire tiens, j'ai pas encore sondé ma culture, celle de mes parents. Il faut que j'aille poser des questions à mes grands-parents, d'où on vient, quelque chose qui serait transmis dans l'âme, dans la chair. Et où on va? Qu'est-ce que je veux garder de cet héritage qui vient de mon père, qui a été transmis par son père, qui a été transmis par son père? Qu'est-ce que je veux garder? Qu'est-ce que je veux conserver? Et qu'est-ce que je laisse? Et à quel prix, etc., etc. Le devoir de garder, le devoir d'inventaire. Le devoir, la question qu'on se pose. Question de l'inventaire, question de l'héritage. Il y a une très belle chanson de Benjamin Biolay qui parle. C'est ton héritage, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. C'est beau, comme. C'est une question qui traverse la vie. Arthur, Ben Harper nous a amené sur une longue et agréable digression. C'est vrai. Je vous propose de l'écouter, ce Excuse Me, Mister de Ben Harper. On l'écoute. Excuse me. Grâce à cela, une géographie raisonnée. D'accord. Qui était. Are you not only blind, but do you not hear? Excuse me, mister, but is there natural oil in the sea? And the pollution in the air, mister, whose could that be? So excuse me, mister, but I'm a mister too. Even Mr. Bad Name, Mr. Like You. So I'm taking the Mr. from out in front of your name. Cause it's Mr. Like You that puts the rest of us to shame. It's a Mr. Like You that puts the rest of us to shame. And Excuse me, Mister, de Ben Harper, le choix de Arthur Teboul au micro de Radio J. Arthur, on va continuer notre promenade au pays de vos préférences. Et là, je vous remercie parce que j'ai découvert grâce à vous un groupe et une chanson que je ne connaissais pas. J'avoue, The Girls de Animal Collective, je ne connaissais pas. C'est un groupe plutôt expérimental, si j'ai bien compris. Et pourquoi ce choix? Quand j'ai reçu votre demande, cinq chansons qui ont marqué ma vie, je me suis replongé un peu dans des souvenirs. Je me suis rappelé une période où je ne parle pas beaucoup en musique, que vers il y a une dizaine d'années, quand on a commencé vraiment à faire de la musique avec Clément et Sébastien, donc mes copains du lycée qui sont aujourd'hui toujours avec moi dans Feu Chatterton, on était très marqué par toute une vague de rock, électro-rock, new-yorkaise, globalement new-yorkaise. Avec Beach House, Animal Collective, Hot Chip, LCD Sound System, c'est des groupes qui ont vraiment marqué notre façon de faire de la musique, qui ont influencé notre manière de faire de la musique. C'est-à-dire que on oscille entre deux pôles. Oui. C'est un pôle vraiment chanson française. Là, c'est vraiment mes maîtres, Barbara, Brel, Ferré, Brassens. Okay. Ouais. Et qui sont toujours des phares pour moi. Et un pôle, parce que vous parlez de la musique 70s, du rock de vieux, désolé pour nos parents. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, un renouveau comme ça du rock un peu psychédélique et électronique. Au début des années 2000. Ouais, au début des années 2000, exactement. Qui nous a vachement influencés par dans sa liberté de ton, de forme. Et aussi dans cet alliage entre l'audace et les mélodies.
c'est important pour les mélodies. Et ça m'amène aussi à parler du fait que ce qui est beau dans un groupe, c'est de réunir des gens qui n'ont pas le même parcours, pas le même ADN, pas le même culture, héritage. Et donc, moi, je les ai sensibilisés, je les ai amenés à aimer la chanson française que vous n'écoutez pas tellement, et ils m'ont amené à aimer vraiment le rock, collectif. Le vrai rock, ouais. Mais alors, justement, expliquez-moi, donc le trio fondateur, vous êtes rencontrés à Louis-le-Grand, à lycée d'élite, vous aviez le temps avec tous les cours, vous arriviez de cette zone, de cette ZEP, où vous dites, j'étais à 18 de moyenne, je suis arrivé en seconde, j'étais à 6, il a fallu que je bosse d'arrache-pied pour remonter, et pour remonter, être au niveau de Louis-le-Grand. Où est-ce que vous trouviez le temps entre tous les cours, entre tous ces efforts, entre toute cette exigence que les professeurs devaient réclamer, où est-ce que vous aviez le temps de vous intéresser à la chanson, à la musique, et d'avoir déjà ce projet de faire un groupe? Alors, faut savoir que mes copains étaient bien plus, ils avaient bien plus, beaucoup plus de facilité que moi, donc ils avaient du temps. Oh, je crois que vous non, ils étaient balèzes, ils étaient très balèzes. Bah, Sébastien Clément était hyper balèze. Moi, j'ai mis du temps parce que j'avais des lacunes, donc en seconde, j'ai eu aucun temps. D'ailleurs, petite anecdote, parce qu'on parlait. Qui a maintenant cessé de l'individuel, de la figure de l'individuel, n'est-ce pas? Alors, puisque vous avez affaire. Alors, en tant que psychanalyste. À des individus. Oui et non. En tant que psychanalyste, nous ne parlons pas d'individus, nous parlons de sujets. Voilà. Bon. Alors, en quoi est-ce que c'est différent? Et évidemment, je vais continuer la discussion qu'on a eue à la dernière émission. Par exemple, au Moyen-Âge, mon père a fait sa thèse sur le serment du sacre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un roi était sacré par un homme d'église. Donc, est-ce qu'on peut voir la personne qui parle? Est-ce qu'on peut la voir? On ne la voit pas, elle est entièrement cachée. Bon, c'est pas très grave. Ah, continuez. Non. C'est parce que c'est un plan général. Continue. Bon. C'est un plan général. Ben, vas-y. On ne voit pas Marielle. On la voit, enfin. Voilà. Oui. Donc, le roi était sacré par un homme d'église. Donc, il acceptait une limitation de son pouvoir. À l'inverse, il y a un livre très récent d'un homme qui s'appelle Claudio Ingerflom, qui s'appelle « Le tsar, c'est moi ». Autrement, il montre qu'en Russie, dans les siècles derniers, les tsars s'auto-proclamaient. Et donc, il fait un lien avec le fait que, eh bien, il y ait eu un système autocratique et communiste qui a repris cette dernière tradition du pouvoir. Merci beaucoup. Alors, à vous, cher Alexis, est-ce que, au fond, il y a une actualité de ce rapport entre la vision brodélienne, n'est-ce pas, d'une globalisation de l'histoire et l'actualité des sciences politiques? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a une actualité des sciences politiques aujourd'hui? Est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'elle apparaît apporter des éclairages? Alors, la question est vaste en 1 minute 30. Là. Vous êtes dur avec moi. Je vous taquine. C'est vrai. Mais c'est vaste. Et effectivement, les sciences politiques aujourd'hui sont très idéologisées. Donc, elles devraient relire Brodel pour faire attention au poids des mentalités dont nous parlions dans la précédente émission avec Bloch et Fèvre, et faire attention aussi à cette dimension à laquelle je suis tellement sensible personnellement, qui est cette géographie raisonnée, au fond, cette histoire spatialisée qui est au fond aujourd'hui à la confluence de beaucoup de problématiques des sciences humaines en réalité, et qui donnerait à ceux qui s'occupent de sciences politiques aujourd'hui une vision, j'allais dire, plus feuilletée de nos réalités, plus, avec une horizontalité plus riche, etc. etc. Ça, j'en suis absolument persuadé. Je pense que les sciences politiques aujourd'hui ronronnent un peu dans des catégories toutes faites. On utilise le mot d'extrême droite pour n'importe qui, n'importe quoi. C'est pas sérieux. Dans l'histoire des idées politiques, telle qu'elle a été toujours pratiquée dans les sciences politiques, qui étaient les seules, après les juristes, à la continuer. Eh bien, je suis frappée que la durée normale, elle est pluriséculaire, n'est-ce pas? Les idées politiques, c'est dans le c'est dans ah oui 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 absolument or, ah oui oui oui, c'est... oui. Récemment, d'ailleurs c'est vrai aussi de l'histoire brodélienne ou de l'histoire telle que vous l'avez pratiquée, André, c'est pluriséculaire. Absolument. C'est-à-dire qu'au fond, la vision de la longue durée
ça c'est le bon point, l'a quand même emporté dans l'appréhension de la politique et notamment dans les études de philosophie politique contemporaine. Ou de la culture. Oui, et puis on est beaucoup plus sensible aux circulations des idées sur la longue durée et aux récupérations, aux reprises. D'ailleurs, on en a des exemples, on est sur une radio juive, on va le dire, la cabale, elle a été reprise. C'est ça la différence un peu entre le plaisir du dimanche et un moment de prendre les choses au sérieux, pas avec sérieux, au sérieux. La première reconnaissance professionnelle que vous ayez eue, c'était quand ? C'est un directeur artistique qui est venu vous voir sur scène ? C'est un coup de fil ? Ça va répondre aussi à la question précédente, c'est oui. Qu'en fait, on a commencé à jouer dans les bars à Paris, on jouait dans les bars, plein de bars. En étant étudiant en parallèle ? Étudiant en parallèle, moi je donnais des cours particuliers pour gagner ma vie, l'argent de poche, voilà. C'était sympa les années d'études, parce que contrairement au lycée à la prépa, on a beaucoup de temps. Et tout le monde laisse tranquille parce qu'on était tous dans les bonnes écoles, donc c'était un bon alibi. Et on a fait beaucoup de musique. Et de fil en aiguille, dans un bar. Et comment ? Là, c'est certain. Si là, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux. C'est ce qu'il y a de pire. C'est que un peuple peut pas une libre presse. Oui, il y a des pages qui pourraient paraître. Alexandre, on t'entend pas parce que tu n'as pas de micro. Reprends son micro. Si tu veux dire. L'antisémitisme presque quasiment, enfin la prétérition, parce qu'il n'en aurait pas été personnellement. Il y a des paragraphes de Brodel qui sont inacceptables. Inacceptables sur le rôle du judaïsme, et en particulier, c'est avant que, justement, après la chute du franquisme, il y ait toute une historiographie espagnole qui ait réhabilité le maranisme et montré le caractère. Ça commence déjà avec Marcel Bataillon, déjà dans les années 30, mais après c'est repris aujourd'hui par des historiens espagnols tout à fait compétents, et on voit le caractère central du phénomène maran dans la pensée espagnole et dans le développement de l'Espagne. Merci beaucoup. Alors, Alexandre, de cette mise en... Alors vous avez le mot de la fin. Oui, je dirais d'un mot. Brodel, à l'évidence, n'était pas antisémite. Non, mais que non. D'une part, il y a un domaine auquel il est étranger, c'est la religion. D'ailleurs, on a bien dit que la Méditerranée, c'est une cathédrale sans autel. Donc, les phénomènes religieux, il le disait, il me l'a dit plusieurs fois, c'est quelque chose qu'il n'a jamais vraiment compris. Donc, ce qui l'a intéressé, et pour lui, dans la Méditerranée, il y a deux peuples qui circulent, c'est les Juifs et les Corses. Voilà. Et ce qui est vrai d'ailleurs, pendant très longtemps, qui circulait, et cette circulation pour lui n'est pas négative. Parfois c'est les mêmes d'ailleurs. Hein. Oui, ça peut. Oui. Il y a les Corses juifs, comme Zuccarelli ou. Bon, mais écoutez, merci infiniment. Nous ne trancherons pas évidemment une étude fine de la pensée brodélienne, mais surtout, évidemment, on voit que aujourd'hui, sa recommandation d'abaisser les frontières entre les différentes sciences sociales est tout à fait judicieuse, parce que il n'y a pas de sciences politiques sans histoire, sans philosophie, sans droit. Nous avons laissé de côté la culture religieuse qui pourtant est au devant de la scène aujourd'hui.